Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour vous, ça fait que quelques jours qu'on ne s'est pas vu, mais pour moi ça fait presque 2 semaines que j'ai pas filmé. J'étais en vacances et je m'étais posé la question si j'avais pas filmé tous les jours pendant mes vacances. Et en fait, non. Et je vous avoue que ça m'a fait du bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir en balade et on va aller rejoindre Capucine. Voilà, ça fait très longtemps. Alors nous on s'est vu, finalement on s'est vu même pour vous dans les vidéos sur la dernière au concours de SAF, mais voilà, sinon ça fait un moment qu'on n'a pas fait de balade ensemble. Donc aujourd'hui on part à Hourtin, c'est un peu plus d'une heure du pré, et voilà, on va aller se retrouver là-bas pour faire une petite balade tranquillement. Ça va être super chouette, il fait trop beau, donc je vous emmène avec nous dans cette vidéo, c'est parti. Comme chaque escapade, il faut faire les affaires. Alors je vous avoue que je ne sais pas si je pars en cordelette ou si je prends l'icol. Je pense que je vais prendre les deux et on verra si Capucine préfère que je prenne le l'icol ou pas. Et puis voilà. Mais je pense quand même que je partirai en cordelette. Je vais lui poser la question si elle a le total contrôle de Bali, au cas où. Normalement oui. Et voilà, on prend l'icol au cas où, mais cordelette. Alors, de quoi on a besoin pour l'emballade? D'un tapis, une selle, une sangle, de pommes et carottes bien évidemment, les Protec, le casque, hey, et puis c'est tout, l'icol ou cordelette. Et maintenant, il faut aller chercher le poney. En tout cas, Oreo, il est déjà prêt à partir. On va prendre des munitions pour aller chercher. Hop. Un petit l'icol. Ça, c'est pas à sa place. C'est là. Ah, regardez, j'ai changé les porte-clés. Ça, c'est la petite pieuvre pour Quantum. Et ça fout, il a un petit hérisson. Tac. Oui, je sais, ça sert strictement à rien, mais je trouve ça mignon. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Il y a Saphir au milieu. En fait, ils doivent être tout là-bas, derrière les arbres. C'est ça, Mirabelle à droite, Quantum au fond au milieu et Ghost au fond à gauche. Et je vous avoue que des fois je me fais des petits flips hein, quand j'arrive et que je vois personne à première vue et qu'ils sont cachés vraiment derrière les arbres, je vais pas la faire. Hein. Bah alors Minous, tu t'es embrouillé avec les autres, en général c'est Quantum qui est tout seul. C'est pas toi. Tu voulais la paix? Regardez comment il est trop beau là. Là physiquement j'adore. Faut pas qu'il grossisse plus. En hiver, je le trouve un peu fit, même si a priori c'est son poids normal. Oui, ma beauté. Mais là, je le trouve archi canon. Tu parles beaucoup ce matin, Mimi. Tiens. Alors, de base, tout n'était pas pour toi. Hein. Mais vu que les autres n'ont pas l'air de se sentir concernés. Tu vas te taper les 3 carottes, ça va te rendre aimable. Oh, je rigole, il est toujours aimable. Ou presque. Je sais pas chez vous, bah je pense que c'est partout, hein. Mais le pollen est de retour. Hop, la carotte. Ça fout, ça fait longtemps que t'as pas vu Balichon. T'as vu Ace la dernière fois. Mais Bali, ça fait un petit moment. Bon déjà, ça fout a envie de sortir et il est de bonne humeur. Parce qu'il me suit sans s'arrêter 1000 fois. Parce que alors ça... Ça c'est son grand truc. Quand il s'arrête 1000 fois, c'est qu'il a la flemme. Genre moi je resterai bien auprès avec mes copains. Et là, ça suit. Donc c'est cool. En plus il fait si beau, ça va être trop bien. Ça fout, c'est quoi ce bide des deux côtés là? Bon, ceci dit, il doit dire la même chose sur moi. Sauf que moi c'est à l'année, c'est pas qu'au printemps. Donc je vais me taire. Le truc qui est cool aussi au printemps, c'est que bah, c'est à peu près propre. À peu près. Bon, cette crinière, mon Safou, va falloir que je la fasse hein. Parce que là, elle est quand même très longue. Je voulais la garder un peu longue pour faire les pions. Chose qui a été fait hein, au dernier concours. Mais je vais quand même un peu la raccourcir. Pas que je la fasse trop courte comme moi j'aime. Sinon, après, je peux pas bien pionter. Je sais, j'ai des problèmes existentiels. Existentiaux d'ailleurs. Petit doute. Eh ben, dis donc, tout le monde nous fait l'honneur de venir nous voir partir. Ça va mon pion? Ça va mon petit chat? La gratte. On a le beau poil d'été qui arrive là, c'est ce qui est noir en dessous. Même si après en été tu vas être encore défoncé, mais on va passer par la petite période du noir. Tu sais, ça fout cette période du noir quand toi tu avais
jusqu'à tes 2 ans et demi, 3 ans. Bon, je vais leur donner une carotte chacun. Hop, et après on part. Hop. Bonjour. Vous aussi, vous avez droit à la carotte. Il veut pas la carotte. Saf, est-ce que tu as soif avant de partir? Ouais, finalement, il avait pas soif, donc on y va. C'est parti. Allez, à tout à l'heure, mon chat. Après, tu verras Bali. Bon, je fais un petit arrêt collé au lac. Parce que là où on va aujourd'hui, on n'y a jamais été. J'avoue, moi, je me suis pas du tout occupée cette fois-ci de l'organisation du trajet et tout. Et en fait, moi, sur mon GPS, il fallait mettre genre parking de Piquero à Ourthin. Et moi, j'en avais 2. Donc là, je suis en train d'attendre Capu sur le bas-côté. Comme vous voyez, hein, y a quand même la place. Il y a un camping-car derrière. Et comme ça, on va aller au parking ensemble. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, on fait une petite pause de 5 minutes. A priori, elle est 5 minutes derrière moi. Donc elle devrait pas tarder. Elle est là. Bon, a priori, on est à l'endroit que Capu voulait. Hop. Donc on va descendre le petit cheval. Molo Elastico. Molo Elastico. Mais, oh, il est pressé. Doucement. Vous mettiez à couiner. Oh, mais ça fait si longtemps. Allez, il va encore. Je sais pas, ça fait bien plusieurs. Qu'est-ce que tu fais là? Oreo? Oh, bah non, ça marche pas. Ça là, ça, Bibi, ça. Va chercher. M'en bats les couilles, frère. Il y a de la bouffe. Bon, on a fini de manger. Sauf Oreo qui est en train de manger les restes de Capu. Dark, c'est du poisson. On va sceller. C'est pas possible de sortir ce tapis moche. Capu. Pardon. C'est pas possible. Quoi? De prendre ce tapis moche. Mais si, j'étais à 2 doigts de te faire la blague et de venir avec le tapis de Hunter que tu adores. Quel enfer. Okay. Mais pour moi, que ce soit le tapis de Hunter ou celui-là, c'est kiff kiff. C'est la même chose, sauf que celui-là, il est pas coupé. T'as des beaux tapis. Mais bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais? On peut pas faire un sondage rapide. En plus, il a sorti la voiture. Non, mais mets celui-là. En fait, celui-là. Je ne veux pas te voir sortir avec celui-là. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Mais ça, bah voilà. C'est un tapis de randonnée, ça. Mais on fait pas une randonnée, on fait une balade. Ça sert qu'à ça. Non. Ça sert à faire du travail en carrière. Ça, c'est pour le travail en carrière. Non, je refuse. Bah dis, je refuse que tu sois moche pour aller en balade. Mais alors, elle, c'est une extraterrestre. Elle nous prend une salle de dressage. Ah, mais elle est mais c'est pas possible. Ah, mais qui est cette personne? Julie en permanence. Qui est cette personne? Et en plus de ça, Oreo, viens ici. Là, il y a une voiture. Et en plus de ça, comme ça, on est assorti. Parce que moi aussi, j'ai le noir et bordeaux. Et je suis en noir et bordeaux. Et Capu, elle est en noir et blanc. Elle est assortie à sa fou. T'es assortie à sa fou, c'est très bien. C'était des compliments là. Quand même mieux que son tapis pourri. Hein. Bon, ceci dit, je sais pas pourquoi j'attends que Capu me libère la place alors qu'il y a des trucs partout ici. Oh, on est prêt à faire l'épreuve des poteaux là.
Elle te plaît cette voiture? C'est pas la nôtre. Ça, tu vois, même quand tout il fait pas ça encore. Pourquoi il serre les fesses? C'est parti, on voit ceux qui sont équipés avec leur GoPro et moi au téléphone. Attends, on fait un pipi avant de partir. Oh là là. Ah, et, écoute, c'est prendre les précautions avant de partir. Voilà. Quand tu veux. C'est maintenant. Vous voulez voir? Bon, jusque là, ça n'a pas duré longtemps, mais Bali était devant. Et du coup, bah, ça fout, t'es plus en mode cheval de club. Et ça monte. Non, mais non, ça c'est triché. Ouais. Hein. Bah oui. Tu comptes trotte? Ouais. Allez, Mimi, trotte. Bah, trotte, tu voulais. Ouais, mais du coup, au trot, on se fait pas les fesses. Vous trichez, hein. Regardez ce qu'elle m'a fait. Ah, elle m'en bat, mais toi aussi. On trotte? Qu'on profite que ce soit un peu plat. Attends, 50 mètres, ça fait... Oh. Tiens. Pourquoi tu prêtes mieux que moi? On a mis Bali devant pour qu'il écoute un peu mieux. Est-ce que vous y croyez que le yinche est parti tout en bas pour boire? Et ça y est, il est là. Allez, un petit pipi. Eh bien, Bibi, ah oui, t'as été à l'eau, hein? Ça fait du bien. Ah, du coup, j'ai encore envie d'aller à l'eau. J'ai soif, je vais redescendre. Allez, c'est reparti. Vas-y, hein. On est perdu. Saphir, pas de coup de pied, là. Je suis derrière. On est perdu. Pour moi, en fait, le... Enfin, une syncope sur les tendons, voilà. En fait, pour moi... le chemin qu'on devait prendre, il était en parallèle, mais c'était juste le, celui... Enfin, il fallait aller tout droit, quoi. Mais c'est bizarre que ce soit planté par les camions comme ça, quand même, non? Mmh. Même, ils s'en fichent des chevaux, eux. Oui, mais c'est pas un chemin comme celui qu'on prend depuis tout à l'heure. Ah, t'es tendon, t'es tendon, t'es tendon. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est roulé. Là, enfin, pas bien. Il s'est... il s'est couché. Et du coup, j'ai hurlé encore. Et il va repartir, non? Je suis d'accord que c'est tentant, mais ma selle. Et bon, bah du coup, avant qu'il se relève, je me suis remis à cheval quand même. Mais purée, à chaque fois, c'est avec cette personne. Les mauvaises ondes. Non, non, non. Je l'ai pas eu encore, punaise. Je suis trop lente. Je suis trop lente à dégainer. Oui, mais il n'y a pas de, de panneau. Là, il y aura un panneau, Jade, c'est sûr. En tout cas, faut que tu marches, sinon tu vas finir par terre. Mon Dieu, vous savez à quel point... Non, 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 non. Il m'a retourné. Non, non. Allez. Eh oui, mais voilà, mais Saphir, non. Non, mais Saphir, ma selle. Non. Oh. J'étais donc en train de vous dire que je faisais une syncope pour ses tendons, parce que là c'est quand même très profond. Et l'autre il se roule, encore. J'ai réussi à remonter quand même. Mais oh là là! Donc c'est pas bon? Non, c'est pas bon. On est perdu et on a demandé à deux gentils gendarmes
qui nous ont pas aidés parce qu'ils savaient pas. Non, mais ça va pas. Regarde à gauche. Va sur le croisement, peut-être qu'il y aura des balisages. Ah, là-bas. Ouais. Et parce qu'en fait, notre balisage disait d'aller tout droit, mais on avait un doute sur le tout droit. Et à ce moment-là, deux gendarmes à moto passent, donc on les a arrêtés. Mais bon, finalement, comme je vous ai dit, ils nous ont pas trop renseignés. Donc on sait pas. Bon, à tout moment, on va encore rentrer à 21h. Parce qu'on peut pas faire demi-tour. Y a pas de balisage. Ah putain, et en plus, si on fait demi-tour, il va encore se rouler. Bon. Capu est en train de regarder sur la carte où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit aller. De ce que je vois sur la carte, sans qu'on descende encore. Juste le petit truc, c'est que la dernière fois que Capu a décidé, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on n'est pas reparti pour une balade de 10 heures? Par là. Apparemment, faut aller par là-bas. Dans cette direction. C'est ça, par là. Bon, ben c'est parti. Bon, on est fâché avec Apu, on fait chemin à part. Non, en vrai, elle est partie voir où étaient les balises et moi, je voulais pas repasser dans ce sable très profond. Et lui, il aurait aimé se rerouler et elle va débouler juste là. Oh, ça faisait longtemps. Et tu vas l'agresser encore? Tu vas lui coucher les oreilles? Ah, pas du tout là, il m'a manqué. Oh salaud. Pardon. Qu'est-ce qu'il est vilain, hein. Bah apparemment non. Oh les tendons, Mimi. Ah, j'ai envie de pleurer et de mourir. Vise bien. Oh, j'ai cru que j'allais sauter. Waouh, c'est beau. Mais là, c'était fatigant cette montée. Hein. Bah oui, mais quelle idée de galoper à tech là-dedans aussi. Faites peur à Bailly à chaque fois. Allez, on d'où au pas. Hein. Faut pas tomber là-dedans, c'est clair. Ouais, on est en hauteur. Bon, ça sera beaucoup de pas pendant cette balade parce que finalement, bah, c'est pas hyper accessible. Alors si, c'est accessible, mais c'est très sableux, blonneux, bref, profond. Et en fait, ça monte et ça descend sans cesse, donc on peut pas, trotter, on peut pas galoper. C'est le petit hic. Et qu'on sait pas pour combien de temps on en a. Et ce petit chemin-là, il est très très sympa. Très joli. Ouais. Moi, je suis en PLS sur ces tendons. Vraiment, je vais pas être sereine pendant quelques jours. Ouais. Moi qui fais toujours attention, j'avoue là. Mais c'est vrai qu'on le savait pas du tout. Et vu que c'était une boucle pour les chevaux, on s'est pas du tout imaginé que ce serait ça. Enfin, je pense que toi non plus, t'as pas imaginé que ce serait comme ça. Ça aurait pu être comme là où on s'est perdu. Bah oui. Ouais. Et là c'est profond et on peut pas profiter en fait, on peut pas trotter, on peut pas galoper. C'est pour ça que c'est très long aussi. Si si, parce qu'on a besoin de ça pour remonter. Ah. Après ce petit chemin est très beau hein, mais c'est interminable. Je sais pas ce que vous en dites. Ah voilà. On est bien content de pas avoir cette montée, nous on va avoir celle-ci. Mais ça rend pas en vidéo ce que c'est en vrai. Mais moi je l'aurais jamais faite hein. Ah non, mais là, tu les tues complet. On était contente parce qu'on a enfin une piste où on peut trotter et où, en fait, on aurait aimé que ça soit comme ça tout le temps. Et en fait, bah, on est déjà obligé de repasser au pas parce que c'est renouveau du sable qui s'enfonce. C'est fou, hein. Ah, les cavaliers, on a le droit que à de la merde. Au pas, au pas. Dites-vous que... Saphir, au pas, vu le terrain, ça va prendre ou quoi? Dites-vous que j'ai quand même hésité à prendre Quantum. J'ai posé la question à Capuce, elle avait une préférence parce que bah Quantum c'est bébé encore, donc je demande aux gens qui m'accompagnent. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir pris parce que là je l'aurais tué. Hein. Là le pauvre. Ah, nos copains. Il y avait les gendarmes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. J'ai jamais été aussi heureuse de voir un chemin dur. Ça va, il boite pas. Bah moi je veux trotter, voir s'il boite.
Bah, je sais pas. Hop. Non, c'est pas. Mais ça sera pas aujourd'hui. Non, mais ça. Ceci dit, c'est à droite, t'es plus là. Ah, oh, putain. Il était là, le balisage. Ah, oh, il y a un truc à sauter. Bon, on est toujours en vie, mais les chemins sont... Voilà, c'est très beau, hein. Mais pour moi, il y a trop de sable. Enfin, c'est pas qu'il y a trop de sable, c'est que c'est trop profond. Parce que là, en vrai, si c'était normal, on pourrait trotter et galoper. Mais même si mon cheval n'avait pas de problème de tendon, je ne voudrais pas trotter et galoper là-dedans. Genre, si ça, tu n'étais pas là, t'aurais trotté et galopé, là. Ah, mais pour qu'on en finisse, oui. T'es en train de dire qu'on est bientôt arrivé? Oui. Sur la carte... Ben, on a fait 5-6ème. 5-6ème quoi ? 5-6ème ou 6-7ème. Je comprends pas. C'était 3 quarts sur 7. Ah ! Oh ! Oui, ok. Je comprenais pas. Moi, j'en ai ras les fesses. Regarde. Non, pépé ! Oui, effectivement, on a l'air d'être pas très loin. On est à côté là. Et je. T'as plus jamais celle-là. Hein. Celle-là, plus jamais. En fait, c'est très bête parce que les paysages sont très beaux. Mais on peut pas, enfin moi je, c'est hors de question que je trotte et que je galope dans ces sols là, c'est trop profond, qu'il ait des problèmes de tendons, qu'il en ait pas, non. Je suis bien contente de pas avoir pris Quantum, je l'aurais tué, ou je l'aurais donné des problèmes de tendons à tout moment. Non là c'est dommage parce que c'est très beau, mais enfin, ça fait que 2h30 qu'on est parti, j'ai l'impression que ça fait 6. C'est improbable. J'ai l'impression qu'on est parti ce matin. Non mais oui, et pourtant moi j'adore les balades, parce que je disais à Capuche, j'en ai ras les fesses. Alors que j'adore les balades, et là vraiment, j'ai envie de trotter galoper à fond la caisse, mais je peux pas. Regardez, il y a enfin une balise qui nous dit de tourner. Mais ça fait 4 heures au moins qu'on fait du tout droit. Non, j'exagère, mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'on fait du tout droit. J'en ai marre. Il y a une autre balise ici. On n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas sur le bon chemin. Ouais, mais moi je préfère celui-là. Alors ok, c'est pas exactement le chemin qu'on devrait prendre, mais là c'est du chemin bien pour les chevaux. C'est enfin un peu dur. Et on peut trotter. Ouais. Non, hors de question que t'ailles te rouler là-dedans. Je suis Bali. Non, je suis pas Bali. Ah oui, non, c'est mon Dieu. 58 km à pied, ça use. Ah, j'en ai marre. Attention. Sans les mains. Ouh, la descente, la descente. Ça descend. Oh, attends, ça descend trop. Non. Sans les mains. Il y a des gens qui sont pas assez perdus qui disent ça. Pourquoi il va vite, lui? Oh. Attends, ah oui, il y a un chemin, mais non, attends, il n'y a pas de chemin, on a vous, pardon Oreo, lui il va aller là, hein. Oreo viens, bon mais bêtise, on a voulu couper, pour aller plus vite, il y a un gros trou et une descente comme ça, donc impossible, meuf, j'en ai ras le, j'en peux plus. On arrête d'en faire pour notre tête. Non, là, j'en ai vraiment. Là, je suis à bout. C'est la deuxième pire balade de ma vie après l'océan. Les deux, elles étaient avec qui? Avec moi. On en est arrivé au point où. Est-ce que vous vous souvenez? Ah non, je vous l'ai pas dit, mais sur Instagram, j'ai dit la dernière fois que quand je savais plus où est-ce que je suis Oreo. C'est la bêtise qu'on a fait la dernière fois à la plage. On l'a pas écouté. On l'a pas du tout écouté. À chaque fois, il voulait aller à un endroit et nous, on était là. Non, 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 on part. Là, quand même, jusqu'au bout, on a voulu aller dans ces sentiers cheval. Insupportable, bah, trop profond, trop long. On n'avait pas le choix. Oui, oui. C'est vrai qu'on n'avait pas le choix. En sentier cheval, on y va. Sauf que là, on en a plein le dos. Et là, du coup, on suit Oreo.
Voilà, on en est rendu. Il a l'air bien déterminé parce que là, il est 4 km devant. C'est vrai, alors qu'on se le traîne depuis tout à l'heure. Hein. Donc, mais il nous ramène, on le voit plus d'ailleurs. Est-ce qu'on trotterait pas? Allez. Donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure, savoir si le chien avait raison ou pas. Normalement, oui. Bibi, on croit en toi. Bibi, on va où? Allez, on réfléchit. Allez, Oreo, allez. Allez. Allez, Bibi. Allez, c'est toi qui décide. Allez. Allez, allez, on rentre. Allez, file. Mais c'est à gauche. On avait raison. Bravo. C'est bien, Bibi. Bon, sinon, Capucine disait qu'à 17h30, on était au large. Vent et la voiture. Large. Large, 17h30, easy. Moi, j'avais dit 18h. Bon, il est 57 et on n'y est toujours pas. Donc, du coup, maintenant, 18h30. On est des bonnes personnes, on est descendu. Moi, j'ai l'impression de marcher comme un canard, pour rester poli. Hein. Mais, ouais, comme ça, les quelques minutes, là, sans nous sur le dos. Oui, regardez le vent. Ah, Minou, on est enfin arrivé. Ah, on est heureux. Deuxième fois de ma vie que je suis hyper contente de revoir le vent. Bon, je vais faire ce qui rêve depuis le début de la balade. Hein. Vous l'aurez deviné plus d'une fois. Allez se rouler dans le sable. Sans moi, cette fois-ci. Ça sera quand même mieux sans moi. Allez. Fais ton poisson pané. Non, mais il y a plus de sable là. Là, là, là. C'est une blague. C'est une blague. Ça fout, je t'assure que tu voulais te rouler avec moi. Je suis sûre que tu vas te rouler sans moi. Là, c'est parfait. Non mais non. Et ben même après quasi 15 ans de vie commune, on est toujours plein de surprises. J'étais persuadée qu'il allait se rouler. Regarde le copain là. Ouais, mais tu vois, le sable ne leur plaît pas. Non. Voilà. C'était là. Si le copain se roule, normalement on se roule. C'est la loi du poney. Ah ben voilà. Merci Bali. Non, ça sera mon odeur par terre. Olé. Regarde Bali, c'est comme ça qu'on fait. Avec Aïs. Bien ça, ça me fait du bien. Ah mon hérisson, il a été baptisé. Ah non, ça va. Ah bah c'est un petit coup de brosse, même si là ma brosse ça va pas faire grand chose, histoire juste d'enlever le sable pour pouvoir mettre les Protec et voilà, je brosserai un petit peu mieux au pré. Il est dégueulasse. Les Protec sont mises. On va embarquer le poney. Tu vois, Mimi? Regardez-moi ce Bibi parfait qui en a plein le dos, enfin plein les pattes. Au revoir, Capucin! Bisous! Allez, go nous! Ça y est! On est bien rentré et il fait beaucoup moins chaud que tout à l'heure, bizarrement. Une fois que le soleil est en train de se coucher, ça baisse niveau température. Bon, on va descendre le petit cheval, je vais bien lui doucher les membres. C'est dommage, j'ai plus d'argile. J'en ai commandé et c'est une pote qui doit me la ramener. Et parce que de base, je l'aurais bien argilé là, avec les terrains pas du tout bons qu'on a fait aujourd'hui. Je vais pas être... Waouh! Ça fout, ça va? Y'a pas de caca? Une heure et quart sans caca? Waouh! Waouh! Mais bon, tout ça pour dire que niveau tendon, je vais pas être très bien pendant quelques jours, je pense. Je vais être comme ça. Enfin bon, ça serait bien que tu descendes, ça fout. T'es pas content d'être rentré? Tu préfères manger le foin? Allez, ça! Quand tu veux, hein! Tu es libre! Allez! Voilà! Allez, Mimi! Recule!
Il a vu les copains. Il y a Quantum qui est juste là-bas. Je vais le laisser brouter là, ici, le temps que je range les affaires. Je vais lui enlever les protèques. Et comme ça, il va être content. Coucou, Glu. Alors, ils arrivent à fond. Mais est-ce que vous êtes au courant que vous n'allez pas manger? Vous êtes gras. Le printemps est de retour. Vous ne mangez pas, les gars. Il n'y a que Safou qui va manger parce que lui, il a fait des choses. Coucou, mon petit chat. Ça va, mon piou? Oh, c'est le piou que je veux voir. Allez, où? Ça va, mon petit chat? Eh ben heureusement qu'on t'a pas pris à toi aujourd'hui, hein. Tu serais claqué. Regardez l'état de la sangle. Plein de sable. Pour les différentes fois où il a essayé de se rouler, ce coquin. Allez, on va aller lui doucher les membres. Tu viens, mon Mimi? Allez, doucher ses petits tendons, là. Bien. Et après, je te donne à manger. Donc toi, tu ne voulais pas boire l'eau toute propre que je t'avais ramenée. Par contre, boire cette eau dégueulasse, pas de problème. Je suis désolée les deux, vous mangez pas. Toi, t'es grasse comme un loukoum et toi, tu vas le devenir aussi. Il y a Saphir qui mange parce qu'il a fait quand même une très grosse sortie et il a des compléments. Et Quantum, bah parce que Quantum, il est en pleine croissance. Donc Quantum, bah il a une ration, c'est normal. Là, on arrive à la période où ça me fait un peu mal au cœur parce que je leur donne pas du tout à manger à Mirabelle et Gosse. Enfin, je leur donne une poignée. Là, je leur ai rien donné. L'herbe, elle est grasse comme tout. Donc Mirabelle, en plus, elle a déjà fait des fourbures, dont une très sévère il y a quoi, il y a 2 ans peut-être. D'ailleurs, je pense que le panier va pas tarder. Donc je vais pas rajouter par-dessus des compléments quoi, enfin des céréales. Mais du coup ils sont pas très contents, voilà ils réclament un petit peu. Mais non, c'est pour vous là. Bon les loulous, je vais arrêter la vidéo ici puisque Saphir est en train de manger, donc ça signe quand même la fin de ma journée aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez faire la balade qu'on a fait à Ourtin, je la déconseille à 1000%, voilà. Moi, c'est pas le genre de balade que j'aime. Déjà, les sols étaient archi profonds et je l'ai assez dit dans la vidéo. Et je pense que j'ai grave saoulé Capu avec ça. J'étais là, non mais là, le sol, les tendons, c'est pas possible. Enfin, je vous dis, je vais avoir un petit peu peur pendant quelques jours pour les tendons de Saf. Parce que vraiment, ça, c'est tous les terrains que, habituellement, j'exclus, voilà. Mais on pouvait pas le savoir. Enfin, c'est Capu qui avait trouvé une boucle pédestre, enfin, pas pédestre, équestre. Justement qui avait l'air pas mal et c'est vrai que les paysages étaient très chouettes, mais voilà, du sable très profond, que des montées, des descentes, donc on n'a pas pu trotter, pas trop pu galoper, enfin on a fait énormément de pas, on est parti 3h30 et encore une fois moi c'est pas du tout les balades que j'aime, donc en vrai je ne vous la recommande pas. On a fait, je crois c'est le sentier des dunes à Ourtin, je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est à Ourtin et moi, je ne la ferai plus. Voilà, je crois qu'il n'y a plus pareil. Il n'a pas hyper apprécié. Et voilà, moi, j'aime les balades où on trotte, où on galope, où voilà, on peut s'amuser. Et là, ça n'a pas été le cas. Faire 3h30 de pas, c'est très, très long. Chut, Quantum! Encore une fois, moi, les terrains, c'était pas bon pour Saf. Même Oreo en avait vraiment marre. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, à la fin, on a fini par le suivre pour retourner un petit peu plus rapidement que prévu. Au vent, alors on a pris le côté de la piste cyclable, on n'a pas pris la piste cyclable, on n'était pas dessus, on était sur le côté, mais normalement il faut prendre le sentier équestre qu'on a pris à 90% de la balade, mais à la fin pour rentrer, fallait qu'on ait courte, voilà. Bon bah écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.